Le Racing Club de Lens est en train de perdre des cadres. Le Racing Club de Lens est tout droit en train de perdre, d'ici les prochaines heures, au moins 3-4 recrues, 3-4 cadres. Kevin Danso pourrait avoir disputé ce week-end son dernier match avec Lens à Bollaert. Il pourrait quitter le Racing Club de Lens dans les prochaines heures pour s'engager en Italie du côté de la AS Roma, du club de Davide De Rossi. Donc après ce cadre-là, le Racing Club de Lens serait en passe dans les prochaines heures de perdre, après 6 ans passés au club, Massadio Ayidara, qui n'est pas considéré comme indésirable du côté de Ouistil et du RC Lens. Mais comme Ouistil va un groupe restreint, va un groupe de 22 joueurs, il faut s'attendre à des départs, des fois logiques, qu'on s'y attendait, et des fois non. Et la direction doit vendre de plus de 100 millions d'euros dès cet été pour dégraisser dû à ces fameuses problématiques, à ces fameuses polémiques des droits TV qui a pris quasiment la grande partie de l'été de nos regards et de nos yeux. Donc suite aux droits TV compliqués que Lens est obligé de dégraisser, suite à la demande de Wisteel d'avoir un groupe restreint de pas plus de 24 joueurs, mais entre 20, 22, 23 joueurs, certains cadres sont obligés de partir. Comme ça a été le cas d'Eli Wahi, qui ne voulait pas partir, enfin qui souhaitait partir mais que l'on souhaitait garder mais qui sont obligés de vendre, qui pourrait également amener le départ de Kevin Danso, qui pourrait être amené aussi au départ de Salis Abdoul Samed, qui est lui par contre considéré comme indésirable et pas dans les plans de jeu de Ouistil, qui pourrait s'engager dans les prochaines heures ces deux fameux cadres que je vous dis depuis le début de la vidéo, qui pourraient s'engager en Ligue 1, qui resteront en Ligue 1 mais qui s'engageraient à Brest en prêt avec option d'achat. Et son coéquipier de Lens, qui n'est pas considéré indésirable, que la direction souhaitait garder mais dû au décrassage, ils sont obligés de vendre, c'est Massadio Ayidara. Après 6 ans passés au club, il est obligé de quitter le Racing Club de Lens et il va s'engager en transfert sec et définitif. Aussi du côté du Stade Brestois où il va rejoindre Salis Abdoul Samed qui va lui par contre s'engager en prêt avec option d'achat comme Lens est obligé de dégraisser et que Wisteel ne compte pas sur lui. Ces deux cadres, après ce qui devrait suivre avec Spierings qui est aussi considéré comme indésirable et va donc poursuivre cette vague de départ dans les prochaines heures.